Salut les Saiyans. Salut les Saiyans. Quatrième vidéo aujourd'hui avec mon compère Eden, qui aujourd'hui est sur une chaise. Hein. C'est pas un trône, hein. C'est pas un petit roi, c'est un petit prince, mais c'est pas un petit roi. Donc il est sur son trône, sur sa chaise aujourd'hui. Chaise qu'on va utiliser pour cette séance, mais vous verrez la séance qui va suivre, donc la cinquième, on utilisera également cet élément. Ça marche? Donc comme d'habitude, un petit travail technique à faire à la maison ou dans un lieu confiné. Ici, nous avons un petit peu d'espace, mais vous verrez, je vous expliquerai qu'avec ce travail, on pourra également faire dans un endroit un petit peu plus confiné. Ça marche? Allez, on démarre la séance, Eden? Ouais. À tout de suite. Ciao! Premier travail technique, cette chaise on va l'utiliser comme un adversaire. De part et d'autre, j'ai disposé deux coupelles à 2,50 m environ. Donc vous avez vu, on a un petit peu d'espace ici, mais à l'intérieur vous pourrez parfaitement le faire. Seulement il n'y aura pas les deux éléments qui seront rajoutés. D'accord ? On va commencer par un petit travail technique simple de râteau. D'accord ? Une fois à droite, une fois à gauche. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y aura quatre fois un exercice à faire, un geste technique. Donc là, ce sera un râteau qui sera à exécuter. Quatre, donc deux de chaque côté, avant de partir soit à droite, soit à gauche. D'accord ? On va commencer ici. Premier râteau, pied droit. Deuxième râteau, pied gauche. Troisième, pied droit. Quatrième, pied gauche. Ensuite, on choisira un côté. D'accord ? Au bout du quatrième. Ensuite, on démarrera, mais du côté opposé. 1, 2, 3, 4, pour repartir cette fois-ci de l'autre côté. On est OK? Allez, c'est parti. Allez, donc un râteau. 1, 2, 3, 4, et là. On contourne. Donc on part du même côté. 1, 2, 3, 4, et là, on est parti. 1. Donc là, c'est à vous de choisir, d'accord? Ici, en conduite de balle, soit extérieur, soit vous prenez intérieur. D'accord? Moi, je vous conseillerais d'alterner, d'accord? Je vous conseillerais deux passages avec l'extérieur, deux passages avec l'intérieur. Donc quand tu vas sur ta gauche, vas-y, sur ta gauche. Voilà, sur ta droite, tu prends le pied droit. Touche là une fois de plus si tu veux. Et tu vas faire le tour là-bas. Ok, et tu reviens ici avec le gauche. Et là, ton bassin, à chaque fois, tu tournes. D'accord ? Tac. Bassin, là. Tu ouvres le bassin. Tac, tac, tac. Ouvre bien les hanches, les bras. Et les bras. Voilà. Hein, ici, on essaye de passer le plus à ras possible de la chaise. Le plus à ras possible en gardant un maximum de maîtrise. Et ensuite... Donc là, nous avons fait un travail où on éliminait l'adversaire de face avec un ballon qui passait devant notre jambe d'appui. Cette fois-ci, on va travailler avec le ballon plutôt que de passer devant nous. Le ballon passera derrière notre jambe d'appui. D'accord ? C'est le même geste, c'est toujours un râteau, mais seulement cette fois-ci avec le ballon derrière la jambe d'appui.
Ok, donc toujours 4 ici. 1. On va le faire tranquillement d'abord. D'accord. 2. 3. 4. Conduite de balle. Extérieur ou intérieur. Commencez à le faire d'abord doucement afin de vous approprier le geste. Ensuite, vous accélérez. D'accord ? Allez, on va commencer tranquillement. 1, 2, 3, 4. Ça marche. Et là, dernier élément que je vais vous demander de rajouter, pour affûter l'adversaire, vous écartez votre bras, vous écartez la chaise légèrement. Ce que je veux, c'est que vous gardiez la main sur la chaise, comme si en match, voilà, vous étiez en train de protéger votre ballon pour le contourner et partir de l'autre côté. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Surtout, restez chez vous. À plus les Saiyans. Ciao, ciao.